Ah, il Eh faudra peut-être ben. ouvrir le micro de Xavier qui vient de venir. Bonjour Xavier. Ah, Xavier vient d'arriver, d'accord. Xavier Fontaine, voilà, je le vois, il bouge la main, donc j'autorise le micro. Voilà. Donc Xavier, vous pouvez ouvrir le micro et parler. Il y a un icône de Ah, micro. bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, on vous entend. Bonjour à tous. Merci de Bonjour m'avoir Xavier. autorisé à ouvrir mon micro. Oui. Un peu comme ça, et un peu hier. Ok, il y a combien de personnes en ligne, vous savez? On est un peu plus de. On doit être 27 là, en ligne. D'accord. Plus la diffusion en streaming sur LinkedIn et sur YouTube. Et là, je D'accord. n'ai pas les statistiques. Je vous prie de m'excuser pour le retard. J'ai eu du mal à me connecter. Alors, du coup, on peut commencer. Je vous laisse présenter, si vous voulez bien, Xavier avec Stéphanie, de l'entreprise Stéphanie, Vernier. Elle est aux tu... manettes, elle y a déjà une, elle a déjà partagé son écran. Ok, bah allons-y. Alors, donc du coup, je vais te laisser parler, Xavier, et puis tu me dis quand est-ce que tu veux que je change de diapo. Bah, tu peux y aller. Bon, donc Vernier, donc c'est un groupe qui a été fondé en 1989. On est 136 collaborateurs. Le métier de l'entreprise, c'est un métier de. C'est le métier d'une entreprise, en fait, qui est une entreprise pionnière et j'ai envie de dire, d'aventuriers qui ont commencé par aller en Afrique pour installer des pompes pour aller chercher de l'eau dans le sol et qui, avec les années, ont développé des solutions de production d'énergie renouvelable, des systèmes, en fait, qui sont constitués d'éoliennes anticycloniques, de panneaux photovoltaïques, de stockage batterie, voire de moteurs diesel. Et donc, c'est une entreprise qui, dont le métier est d'apporter, alors était au début d'apporter de l'eau et de l'énergie, aujourd'hui est d'apporter de l'énergie à des populations isolées. Ça veut dire dans des zones insulaires, ça veut dire dans des territoires comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, ou encore dans des zones comme les Caraïbes, voire même d'ailleurs, et c'est le cas encore aujourd'hui, en Micronésie, qui est, pour ce qui me concerne en tout cas, une zone que j'ai appris, dont j'ai appris l'existence depuis que je travaille chez Vernier, pour tout vous dire. Voilà, tellement c'est connu. Enfin, c'est dans le Pacifique Sud-Est. Voilà. D'accord. Donc, tu peux passer à la page suivante. La présence dans le monde, donc vous la voyez, elle est bien représentée. C'est 365 mégawatts de production d'énergie renouvelable. Le groupe a installé depuis sa création 900 éoliennes dans le monde. Il en réalise encore aujourd'hui la maintenance sur à peu près 300 éoliennes. C'est d'ailleurs un peu l'objet Totalement l'objet du webinar. Totalement l'objet de ce séminaire. On a installé des systèmes de production d'énergie partout dans le monde. Notre activité aujourd'hui est très forte dans la zone Pacifique, avec une filiale qui s'appelle Vernier Pacifique et qui s'est très, très, très bien développée. Elle est toujours présente et croissante en Afrique. On vient de créer, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une filiale au Brésil qui est en train de donner ses premiers résultats avec les premières commandes qui sont en train de tomber. Même chose pour les Caraïbes. Et l'océan D'accord, Indien, d'accord. pardon, que j'ai oublié aussi. Vous êtes très présent dans le monde, quand même. Donc on est bien présent, voilà. Tu peux y aller, Stéphanie. Voilà, donc là, vous voyez ici une page qui présente de façon synthétique les technologies propriétaires et non propriétaires utilisées par le groupe. Hein. Notre métier, c'est de faire de la recherche et des développements et de l'engineering. Hein. Ensuite, de réaliser des études de faisabilité pour qualifier les sites sur lesquels on va installer nos systèmes. Évidemment, c'est aussi de la gestion de projet, puisqu'on réalise des projets EPC. Hein. Ça veut dire qu'on fait l'engineering, qu'on fabrique et ensuite qu'on fait l'installation. Enfin, on a une activité qui est très importante et qui est directement liée au contrat EPC. C'est la suite des contrats EPC. Hein. Ça veut dire qu'une fois que les centrales solaires sont installées, ben, il faut en faire la maintenance. Et c'est le métier dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez une partie des maintenances vous-même et une partie qui est faite par directement les clients, si je ne dis pas de bêtises? Alors, on peut être amené effectivement à former des clients pour qu'ils puissent être autonomes sur leur maintenance, tout à fait. Mais on aime bien quand on l'a fait parce que c'est bien margé.
Faut pas dire trop fort. Tu Bien. peux y aller. C'est bon, c'est Eh ben c'est fini. bon, ben voilà. Eh ben merci pour votre intervention, Xavier. Je vous en prie, plaisir. Merci, Et donc je vais couper Xavier. le micro et je vais continuer avec Stéphanie si besoin, je pourrais le réactiver. Très bien. Alors Stéphanie, justement, j'avais quelques questions en commence. Pourquoi Flexio? Puisque ça fait, enfin, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble maintenant? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et Oui. pourquoi Flexio alors? Alors, pourquoi Flexio? D'une part, parce que comme tu l'as dit au tout début, je ne suis pas informaticienne, donc faire du code, ce n'est pas possible. Et puis, ce qu'on avait essayé de faire au tout départ, c'était d'acheter en fait un logiciel qui existe déjà. Il y a déjà beaucoup de produits sur étagère qui font de la GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Sauf que nos produits sont tellement particuliers qu'aucun n'a pu nous permettre de s'adapter soit à leurs produits, soit eux à notre métier. Et donc, on est arrivé sur Flexio, où là, effectivement, la possibilité en no-code d'adapter tous les formulaires à notre façon de travailler a été la décision la plus sympathique qu'on ait eue depuis quelques années sur le projet de digitalisation de la maintenance. C'est ça, parce que si je ne dis pas de bêtises, vous cherchez depuis déjà longtemps un logiciel. Et Oui. c'est le no-code Flexio, en fait, que d'ailleurs vous ne connaissiez pas forcément le principe, on va dire, qui vous Ouais. a séduit et qui vous a dit, voilà, maintenant je vais pouvoir faire quelque chose justement d'adapté à mon métier, puisque on ne trouve pas forcément quelque chose qui convient à ce qu'on veut faire. Et si je ne dis pas de bêtises non plus, non seulement sur la maintenance, mais ça a pris sur d'autres services. Voilà, tout à fait. On est en train d'essayer de voir pour gérer, par exemple, les entretiens annuels, voire suivre les formations. Ça. Et Les il y a formations que d'autres. nous donnons à nos clients ou à nos collaborateurs, évidemment. Pareil, alors, pour information, nous, on a une application Flexio qui permet de gérer les formations qu'on distribue et on est Calliope grâce à une application Flexio qui permet justement de suivre et de tracer toutes les formations qu'on fait auprès de nos clients. Et c'est une prestation qu'on peut faire chez d'autres clients, entre autres entreprises Charrier, j'ai pas vu de Charrier arriver, mais qui a pris en fait cette application. On a dupliqué cette application chez eux pour qu'ils puissent aussi gérer toutes leurs formations en interne et aussi auprès des entreprises externes. Mais il n'y a pas d'autres services, il y a d'autres services aussi déjà concernés par d'autres applications que la maintenance Alors, actuellement? il y a aussi la qualité. Il y a Oui, ce aussi qui la semblait, oui. qualité par rapport à la traçabilité des pièces machines. On est toujours dans le technique, mais ici, enfin, chez Vernier, nous avons un service qualité qui gère la traçabilité des pièces. Donc, de la réception de la pièce jusqu'à la mise en place de la pièce sur une machine. Et leur numéro de série, etc. Tout est géré par la qualité. Et donc ça, déjà, Flexio nous sert déjà pour la traçabilité des pièces. Dans les ateliers en interne chez vous. Voilà, tout à fait. Alors, surprend l'application qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'application de maintenance des éoliennes. Oui. Et alors, quels étaient les objectifs, justement, on en a parlé un petit peu, mais quels étaient les objectifs que devait remplir justement cette application? Alors, l'objectif, c'était un de centraliser toutes les données au même endroit, parce que comme on en a parlé déjà un petit peu avant, Vernier est un petit peu partout dans le monde et récupérer toutes les informations des maintenances rapidement, c'était un petit peu c'était très compliqué. Donc, l'objectif, c'était de centraliser les données et d'être réactif au niveau des actions correctives à mener au cas où les maintenances ne donnaient pas les résultats escomptés, et puis être réactif aussi par rapport au rapport que l'on envoie à notre client à chaque fin de maintenance. Et si je ne dis pas de bêtises, par exemple, une des contraintes que vous avez, c'était justement d'avoir donc faire la maintenance, voir ce qui va ou surtout ce qui ne va pas, récupérer l'information à un moment donné, le temps que l'information soit ressaisie, récupérée, transmise. S'il faut commander ou même, si je ne dis pas de bêtises, vous créer, je crois, des pièces sur mesure, ça pouvait allonger les délais. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et là. Et il y a aussi un intérêt qui est un petit peu plus stratégique, c'est que on peut faire des statistiques sur les opérations, sur les résultats des opérations à chaque maintenance partout dans le monde. Ça veut dire qu'on peut très bien dire, est-ce que on a 250 opérations actuellement, en gros, hein, à la louche, qui sont effectuées pour chaque maintenance. On peut très bien dire, on va améliorer
l'efficacité de maintenance. Et donc, il y a peut-être des opérations que l'on fait trop fréquemment Ou d'autres pas assez fréquemment, du coup. Tout ou d'autres pas assez fréquemment. à Et fait. donc, la partie statistique va être bien plus rapide à partir du moment où les informations sont centralisées. On pourra créer des scénarios qui nous créent des statistiques sur le nombre de fois où l'opération n'a pas été effectuée, le nombre de fois où l'opération était OK, le nombre de fois où il a fallu engager une procédure, enfin une action corrective, Oui, tout à etc. fait. Et c'est effectivement ces retours d'expérience qui vous permettent d'ajuster, d'être plus performant au niveau des maintenances et peut-être d'éviter justement des coupures ou des problématiques à venir. Tout à D'ailleurs, qui fait. utilise l'application globalement? Il y a plusieurs droits, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, donc, dans un premier temps, il y a tous les responsables de site qui peuvent créer les maintenances et gérer les maintenances. De toute façon, il y a la validation et le rapport qui doivent être faits par ces personnes-là. Ensuite, vous avez aussi les techniciens, évidemment. La source de données, c'est les techniciens sur site qui se servent de la tablette, qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous pouvez la mettre devant ton visage si tu veux la voir, parce que autrement qu'avec ton La fond, voilà. tablette. Bah, tu disparais, mais ok, une tablette La 10 pouces, je tablette, crois. une tablette 10 pouces Samsung Android, parce qu'en fait ça ne fonctionne que sur Android. Par contre, Flexio, ce qui Seulement est très bien, l'application hein. mobile est seulement sur Android, on est en train de travailler pour une version iOS, oui, tout à fait. Ouais, mais c'est vraiment très bien. Et donc, la source des données, c'est les techniciens sur site qui remplissent à travers l'application Flexio les formulaires de maintenance. On va voir un petit peu comment ça fonctionne après, c'est assez fluide. Et puis, donc, après, au bureau, il y a toute la partie statistique, études pour les experts, etc., qui vont pouvoir se servir des informations de la maintenance. Il y a aussi, pour le moment, le client n'a pas accès en direct à Flexio. Peut-être plus tard, il y aura Oui, c'est une partie envisageable. qui sera visible pour lui. Mais en tout cas, l'avantage de cette application, c'est que le rapport va se faire dans les 48, 72 heures après la fin de la maintenance et il pourra être envoyé directement au client propre, toujours la même trame. Et ça, c'est très important aussi pour nous. Oui, tout à fait. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi une gestion des droits, parce que c'est assez fort, vous fonctionnez par zone dans le monde entier. Puisque c'est les mêmes maintenances, quelque part, en tout cas les mêmes, enfin pas forcément les mêmes maintenances, mais en tout cas la même application pour gérer l'ensemble des maintenances dans le monde entier. Et en fonction de l'endroit où se trouve le responsable et le technicien, il voit uniquement les maintenances qui lui sont attribuées à lui. Ouais, Pourtant, au bureau, vous, à chez Vernier, vous voyez l'ensemble des maintenances qui sont faites, justement pour avoir des statistiques globales, j'ai envie de tout dire, du à monde. fait. Tout à fait, en fait. C'est aussi parce que quand on a trop d'informations, bah, trop d'informations tue l'information. Donc, on a pris le parti pris de dire chaque zone VSA a ses parcs attribués. Et donc, chaque zone hors orme. Chaque zone ne voit que ce qu'il doit voir au niveau des applications. Maintenant, s'il a des besoins de voir d'autres centrales pour une raison ou pour une autre, ça peut se discuter et on peut modifier son profil assez rapidement aussi, hein. C'est pas figé dans le temps. Alors du coup, avant de passer à l'application, ce qui serait bien, c'est quels sont les gains estimés par rapport à l'application, par rapport à ce qui était fait avant. On en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu as déjà pu mesurer un petit peu ce qui était quel Déjà gain tu avais? le temps de traitement Oui, des c'est ça. retours est divisé par 3-4. Et puis surtout, on n'a pas la boîte mail qui est remplie par Saturé. des mails voilà, qui est remplie par des mails qui ont des PDF qui sont attachés, qu'il faut ressaisir avec une possibilité d'erreur sur la saisie ou d'oubli, etc. De temps de traitement, oui. Voilà, donc temps de traitement vraiment divisé. Enfin, ça nous permet aussi d'exploiter les données, comme je le disais tout à l'heure. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand le technicien est sur place, qu'il doit remplir les informations, enfin les renseignements qu'on lui demande sur sa maintenance, il peut aussi, avec sa tablette, prendre des photos. Les photos sont directement attachées à l'opération et ça va être aussi directement mis dans le rapport, en automatique. Et donc une photo vaut mieux qu'un long discours, comme on dit souvent, pour comprendre ce Voilà. qui va ou ce qui va pas. Oui. Voilà.
Ensuite, comme je vous le disais, il y a la possibilité de faire des statistiques sur les opérations, ce qui permet d'améliorer, d'être toujours dans la constante, d'améliorer ce processus. Le L'amélioration rapport continue. PDF est automatique. On n'a pas besoin d'avoir un Word dans lequel on insère des tableaux, des lignes, des photos. Et une fois, il sera écrit en bleu, une fois, il sera écrit en rose, et une fois, il sera écrit en vert. Et donc, tout ça, en fait, c'est directement programmé dans l'application. Et puis, il y a aussi la possibilité, et ça, c'est aussi très, très important pour le traitement des informations, c'est de lancer des actions correctives quand des opérations ne sont pas conformes aux résultats attendus. On lance automatiquement des actions correctives que l'on pourra programmer pour un prochain passage dans la zone. Ça, c'est vrai que c'est super important de pouvoir avoir un suivi et de le programmer. Je pense qu'on peut passer du coup à la démonstration de l'application. Oui, Si vous tout avez des à fait. questions, n'hésitez pas à les poster donc à droite dans le chat. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, parfait. Tu peux basculer en plein écran. D'accord. Voilà, super. Donc là, tu t'es OK. connecté sur l'application Alors, web. voilà, tout à fait. Là, je suis en mode PC et vous voyez plein de petites icônes. Ce sont toutes mes ressources qui me servent à toutes les applications dont on a parlé un petit peu au début. Nous, on va s'attacher uniquement à ces ressources-là, que vous ne verrez pas, vous, en tant qu'utilisateur normalement. Là, je suis en mode administrateur, donc je vois tout. Mais on va aller Ça, c'est voir pour les la personnes maintenance qui suivent, parce préventive. qu'il y a, je sais qu'il y a des personnes de la maintenance Chevernier qui les suivent aussi à distance, pour voir un peu Oui. comment ça marche. Effectivement, Stéphanie a tous les droits, donc elle voit tout. Vous verrez uniquement ce dont vous avez besoin. Voilà, tout à fait. Donc, c'est très simple. Les maintenances sont programmées en moyenne entre 3 et 6 mois, entre 3 mois et 1 mois avant la date de maintenance. Et ici, on a la possibilité de créer la maintenance pour le site sur lequel on doit agir. Comment ça se passe? On choisit l'équipement. L'équipement, il est déjà intégré dans Flexio puisqu'il y a une application qui suit les fermes, les équipements et tout ce qui va avec. Donc, par exemple, si je vais aller sur une ferme qui s'appelle Bering et sur un plot numéro 2. Le plot, en fait, c'est l'éolienne. Il y a tout un Je vocabulaire choisis. métier à avoir, mais on va pas trop Voilà, tout s'attarder à aujourd'hui, fait. mais il faut Et comprendre le vocabulaire métier. c'est aussi l'avantage de Flexio, c'est qu'on a pu utiliser notre vocabulaire interne pour créer des applications. Donc C'est la vrai que c'était machine. un point important, si je ne dis pas de bêtises. Même chez vous, des fois, il y avait, moi je me rappelle quand j'ai fait des formations qu'on avait changé, plusieurs termes pour la même chose, et il a fallu qu'on les clarifie pour être sûr qu'on parle bien la même chose. Et c'est vrai que ça a Voilà, permis de donc remettre tout ça à plat. effectivement, en fait, par exemple, une ferme qui s'appelle Bering, elle peut avoir des alias. Elle peut s'appeler Russie numéro 3, par exemple. Ça dépend à Donc, qui on en parle. en fonction de qui parle de quoi, on peut avoir la même ferme qui ne porte pas le même nom. Donc, l'avantage aussi, c'est que dans Flexio, j'ai pu mettre les alias dans les fermes. Donc, on choisit la machine ici, qui est la JVMPC, qui est une éolienne standard chez nous. Et ici, en fait, on a la possibilité de choisir les fréquences de maintenance, donc de 6 mois à 10 ans. Et on a aussi intégré dans ce processus de maintenance les audits. Quelquefois, des clients qui ne sont plus en maintenance chez nous depuis très longtemps nous Peuvent rappellent vous et nous demander un disent, audit. voilà, ils nous disent, écoutez, nos machines, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été entretenues. Est-ce que vous pouvez nous faire un audit? Là, on peut faire un audit et ce sont des opérations de maintenance. Ce sont plutôt des vérifications de maintenance que l'on va faire. Et donc, l'audit va filtrer les opérations. Et quand on va aller sur site, on n'aura que les opérations qui correspondront à un audit. Là, C'est par ça, si exemple, je je choisis. reprends. Je pense que dans un audit, effectivement, tu ne fais pas forcément de maintenance, tu fais uniquement des contrôles, et ça c'est automatiquement en fait sélectionné en fonction de la fréquence de maintenance que tu choisis Tout à ici. fait. Tout à fait. Donc, un audit, c'est bien spécifique. On a aussi la possibilité, on a prévu dans la maintenance de faire en sorte que les maintenances puissent se faire en français et en anglais. Donc, on choisit ici la langue pour que les textes s'affichent dans la langue que l'on veut.
Et ce qui est important, c'est que le technicien et le valideur devront utiliser la langue qui est ici pour leurs commentaires. Donc, je vais mettre une date de prévision ici, qui est aujourd'hui. Peu Et importe, je vais par exemple. sélectionner un technicien. Ce sera moi. Tu fais ça aussi? Oui, je fais tout. Donc, je vais enregistrer. Ce qui est important, c'est qu'en enregistrant ici cette maintenance, je suis en train de préparer les opérations pour le technicien sur site. Donc, ici, vous voyez que quelque chose est apparu. C'est le statut de la maintenance. Les Workflow, tu as envie de opérations, dire, de suivi. oui, voilà, tout à fait. Ça permet en fait de définir que la maintenance est en cours de chargement. Et ici, vous avez vu que un onglet est apparu. Pour le moment, il est un petit peu vide, puisque c'est en train de se charger. Et donc, pour les maintenances, nous avons considéré qu'il y avait cinq positions de machine à considérer. Et donc, il va y avoir cinq onglets qui vont se charger très rapidement. Hein. Vous voyez, là, il y en a déjà deux, avec toutes les opérations liées à tous les filtres que l'on a marqués dans la création de la Et en fonction de maintenance. la maintenance et de la périodicité de la maintenance qu'on a choisie. Et donc, tu disais jusqu'à Voilà. 250 opérations, c'est ça, en Voilà. fonction de la périodicité de maintenance à faire. Oui. Donc, une fois que la maintenance est prête à être effectuée, hop là, si. On va en prendre une. Tu veux prendre celle-ci ou tu vas en prendre une autre que qui était Non, déjà peut-être je vais créée? prendre celle que j'ai créée ce matin, comme ça, celle-ci, on va la laisser charger. Oui, et puis je Et crois qu'il y avait déjà des opérations faites en plus, donc ça peut être intéressant de voir un oui. petit peu justement comment c'est en exploitation. Oui. Donc voilà, donc j'en ai créé une ce matin. D'ailleurs, ici, on voit les suivis d'avancement, hein. On voit qu'il y en a déjà des en Voilà. cours qui sont déjà à 100%, d'autres à 14% en fonction des Alors, positions, parce que tu as voilà. debout, couché, enfin, ça dépend Alors, des fiches de maintenance. ce qui est intéressant sur l'application PC, enfin sur l'interface PC, Navigateur. sur le navigateur, c'est que le responsable de la maintenance peut toutes les 4 heures voir l'avancement. J'ai cliqué un petit peu vite, voir l'avancement de toutes les maintenances en Il peut fonction. le suivre et savoir où c'en est, où Voilà. son équipe en est dans l'avancement de la maintenance. Voilà, tout à fait. Donc, il peut déjà voir qu'il y a pas mal d'opérations qui sont avancées et que très prochainement, il va avoir pas mal de choses à valider. Parce que derrière la suite à la maintenance, je vais cliquer sur un exemple. Si je dis pas de bêtises, toujours pareil, parce que c'est toi qui connais le métier, mais forcément, je m'intéresse à ce que vous faites pour comprendre et vous conseiller. Il y a quelqu'un qui va valider ensuite que toutes les opérations de maintenance ont été faites, ou en tout cas celles qui n'ont pas pu être faites, il y a une raison pour laquelle elles n'ont pas été faites. Et si jamais il y a des dysfonctionnements, bah, que lui puisse être au courant et pouvoir, on va dire, j'ai envie de presque mettre un tampon pour dire, OK, c'est bien ça, c'est bien l'état du parc actuel. Tout à fait, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, on est sur l'application web. On voit C'est que plutôt à deux, on peut y accéder de deux manières pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, soit via un navigateur, donc du moment que vous avez un ordinateur connecté à Internet, vous utilisez Chrome, Firefox ou Edge pour pouvoir naviguer et utiliser l'application. Et ensuite, on a une application mobile dédiée sur Android qui permet là une utilisation plus en mobilité. Et dans le cas par exemple de Stéphanie, c'est surtout les techniciens qui vont pouvoir utiliser cette application puisque justement ils sont en mobilité et ils l'ont avec eux. Et si je veux le dire, vous avez mis donc des clés enfin 4G pour pouvoir capter. Malheureusement, ça ne capte pas partout dans le monde. Et donc, l'application mobile intègre ce qu'on appelle un module hors connexion qui permet d'avoir les applications de chargée, les données de chargée. Et donc, ils peuvent saisir la maintenance. Et dès qu'ils retrouvent du réseau, hop, c'est envoyé. Et ça permet de faire d'avoir une continuité, même si on n'a pas de réseau. Tout à fait. En fait, c'est vrai que l'avantage aussi de Flexio, c'est que c'est asynchrone. Il n'y a pas de réseau. Ça ne se met, enfin, la synchronisation ne se fait pas. Il y a du réseau, la synchronisation se fait et les données arrivent directement sur le serveur. Là, on retrouve la Donc, même ici. application sur l'application mobile. Donc là, c'est directement la tablette de Stéphanie que vous voyez. Ouais, tout à fait. Donc, je vais aller sur ma maintenance. Voilà, on retrouve Et les mêmes donc. maintenances que tout à l'heure, mais présentées différemment. Tout à fait, tout à fait. Là, on voit que la verrie, elle est à planifier.
Donc, je vais aller me positionner. Je suis technicien, là, je suis sur le site et je vais commencer ma maintenance. Donc, je sélectionne la maintenance sur laquelle je veux agir. Voilà. Donc, on retrouve bien la fiche récapitulative, plus tous les onglets avec toutes les opérations, tous les regroupements d'opérations par rapport à la position de la machine. Donc, je veux commencer ma maintenance. Je vais changer le statut. Donc, je change le statut et je mets le statut en cours. Et j'enregistre. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai agi sur la maintenance bearing flow 2. Et c'est en jaune parce que ce n'est pas encore synchronisé avec le serveur. Donc, je retourne sur ma maintenance puisque je l'ai modifiée. Et donc, je vais aller prendre les opérations. Alors, vous voyez, c'est assez fluide, hein. Toutes les opérations, soit vous vous baladez sur le menu en haut, soit, hop là. On voit pas Allez. forcément, hein. Donc Stéphanie swap Ouais. d'un onglet à l'autre, puisque sur les cinq onglets représentent justement les cinq positions Position. sur lesquelles elle doit faire des maintenances, et des maintenances différentes si elle est debout, si elle est couchée, ou si elle est avant ou après la mise en manœuvre, parce qu'on se rappelle que c'est des éoliennes qui se couchent. Tout à fait. Donc, je vais prendre au hasard une opération. Et donc, les formulaires pour chaque opération se font. Alors là, j'ai un petit problème d'affichage, voilà. Donc, sur chaque opération, on a l'instruction de VSA qui est qualité sur lequel le technicien peut s'appuyer pour faire l'opération, pour réaliser l'opération. Il a aussi une petite image qui peut être agrandie ou pas en fonction de ses besoins. Et là, on voit que il va avoir 10 questions à répondre et il sait où il peut se positionner pour répondre Répondre à la correctement. maintenance. Voilà, tout à fait. Donc, on lui demande de remplir certaines fonctions. Alors, cette opération-là semble un petit peu longue parce qu'il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a des opérations qui sont beaucoup plus simples et qui ne nécessitent pas de rentrer à l'intérieur de l'opération. Je vous montrerai après. Donc, on imagine que je suis le technicien. Je regarde le boulon de fixation du treuil et je dis que tout est OK. Le treuil, les écrous sont serrés. Ça, c'est tous des éléments de vérification qui sont dans l'ordre et avec l'image en appui. Et je ne sais pas si vous l'avez vu au-dessus, il y a même un lien donc vers le PDF, vers la maintenance, qui pointe directement sur les serveurs de Vernier, puisque c'est mis à jour régulièrement par la qualité. Donc, je suis technicien, j'ai répondu à toutes les questions, l'opération est terminée. Je dois lui donner un suivi à cette opération. Comme j'ai dit que tout était OK. On met Je OK. change le suivi, voilà. Je change le suivi de l'opération et j'enregistre. On en voit que l'avion en bas à droite. Ouais, tout à fait. Comme on ne voit pas tes Voilà. doigts, j'essaie de dire où se trouve ton curseur en fond. Je peux le faire aussi de là, hein, si vous préférez. Donc, j'ai bien modifié cette opération-là. Elle est OK. J'en prends une autre. Contrôler l'état du treuil de manœuvre. Alors, je ne sais pas si on va toutes les faire, on va essayer de faire quelque chose. Ah, parce qu'elle est plus simple, c'est ça que tu voulais montrer. Voilà, c'est pour ça. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que une D'accord. fois de plus, on peut rentrer et modifier le statut de l'opération. On peut encore ch changer. Ou sinon, comme c'est une opération qui ne nécessite pas de renseigner plus d'informations que ça, on peut directement ici changer le statut. C'est ce qu'on appelle chez nous l'edit in place, c'est-à-dire que pour aller vite, si ces opérations de contrôle uniquement visuelles ou sans demande de mesure, vous pouvez directement les enchaîner en mode liste, on appelle ça, pour pouvoir justement les faire très rapidement les unes après les autres. Et donc là, je vais avoir une opération qui ne sera pas correcte. Je vais forcément créer une opération qui n'est pas correcte pour vous montrer en fait la capacité du technicien à nous donner l'information assez rapidement. C'est-à-dire que là, on lui a demandé de contrôler la corrosion du treuil de manœuvre et il dit c'est pas OK. Il dit c'est pas OK, il peut soit ici avec le micro
Donc, avec le micro, il peut donner des compléments. C'est que la dictée vocale était vraiment un plus pour avoir des détails sur les opérations. Tout à Puisque fait. souvent, d'écrire avec des gants ou même de taper au clavier, c'est pas toujours évident pour tout le monde, alors que la dictée vocale, souvent, permet d'être beaucoup plus exhaustif. Tout à fait. Et le petit plus, c'est qu'il peut prendre une photo de justifier en fait sa décision. Une question de Okay. Julie Barbier qui demande si la personne a un élément à contrôler, peut-elle tout de même changer le statut général du contrôle sans avoir à entrer dedans? Ou y a-t-il un verrou? Alors, je vais. Alors, Vas-y, je te laisse répondre, Stéphane. non, il y a des verrous en fait. Si on dit que c'est not OK, le verrou, c'est dis-moi pourquoi. C'est ça. Ici, il faut marquer quelque chose forcément. J'essaie de le dire autrement. En fait, si dans la liste, donc si tu envoies là, on va retourner sur la liste des opérations à contrôler avec le statut OK, non OK, NA. Si c'est OK et donc il n'y a pas de précision, automatiquement, il pourra passer à la suite sans que l'enregistrement s'ouvre. Par contre, si c'est non OK et que en cas de non OK ou de NA, on demande des précisions, automatiquement l'enregistrement va s'ouvrir et ça sera obligatoire de renseigner ce qui ne va pas. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des champs qui sont obligatoires à renseigner. Et ces champs-là sont autant de verrous qu'on veut de sécurité. J'espère avoir répondu à la question de Julie. Voilà, c'est bon, c'était bien ça. D'accord. Donc, on imagine que j'ai fait toute la maintenance. Ça fait 3 jours que je suis sur la maintenance. J'ai passé en revue toutes les opérations que je devais faire. Et là, j'informe le responsable que j'ai terminé ma maintenance. Alors j'ai une question en même temps de Christophe Girard. Est-ce que nous sommes sur un pattern référentiel? Alors on voit quelqu'un qui connaît déjà bien Flexio, il Tout connaît bien à fait. l'application Flexio. Effectivement, sur Flexio, donc on a plusieurs niveaux, on va dire, de connaissances et d'utilisation. Et un des avantages, c'est d'avoir des patterns, c'est-à-dire des méthodes de résolution de problèmes, on appelle ça en informatique, qui vous permettent de vous faciliter la vie, en tout cas d'arriver à digitaliser quelque chose de récurrent. Et le pattern référentiel en fait partie. Donc est-ce qu'on utilise le pattern référentiel dans ce cas-là, Stéphanie? Oui. Voilà. Donc oui, et donc ça veut dire qu'on est capable de recopier justement des opérations à faire en fonction de la durée de la maintenance. Tout à l'heure, on disait en fonction de si c'est 1 an, 2 ans, 5 ans ou seulement un audit, on n'a pas les mêmes questions. Et c'est ce qu'on appelle le pattern référentiel dans notre jargon qui permet de réaliser ça Tout à fait. en automatique. Tout à fait. Donc, j'ai terminé ma maintenance. Je change son statut. Je la mets à valider. Et j'envoie. Alors là, je n'ai pas dû remplir. Ah oui. Donc voilà, on parlait de verrou tout à l'heure. J'ai mis que c'était à valider, mais je n'ai pas mis le valideur. Donc. Qui valide aussi, c'est ça. C'est moi qui valide uniquement pour la démonstration. Donc voilà, donc celle que je viens de créer juste avant de commencer l'exemple avec la tablette, hein, elle vient d'arriver, elle est là, elle est à planifier. Celle que je viens de modifier, c'est celle-ci. Donc on va passer. Donc ce qui est important, c'est que quand je la mets à valider, automatiquement on a un mail qui est arrivé dans la boîte mail de celui qui doit valider la. La maintenance. Et donc tout ça, La c'était maintenance. créé en no-code avec Stéphanie. Et donc en Oui. fonction justement du statut, là, Stéphanie a quelque part créé ce qu'on appelle un scénario chez nous pour automatiquement envoyer un mail et elle peut personnaliser le mail en fonction de ce qu'on appelle chez nous, si c'est pareil, un vocabulaire flexio, des ingrédients. Mais ça, vous l'apprenez très vite dès la première demi-journée de formation. Oui. Donc est-ce que tu peux basculer en plein écran, s'il te plaît, pour qu'on voit un peu le mail? Alors, donc, Merci. est-ce que c'est bon? Ça se voit? Ouais, parfait. OK, donc là maintenant c'est terminé. Merci de vérifier les opérations non conformes et non réalisées dans l'onglet de synthèse, de valider ou non les décisions du technicien et de créer les actions correctives.
avec le lien qui nous emmène sur L'enregistrement correspondant à la ressource, si je prends le bon vocabulaire. l'enregistrement. Tout à fait. Là, il faut que je me connecte. Lui demande combien il y a eu de journées de formation pour réaliser le pattern référentiel. Je crois qu'on en a eu deux et on a beaucoup travaillé après sans être formé. En fait, oui, je crois qu'il y a eu 2 jours de formation pour le pattern. Et puis ensuite, on a travaillé chacun de son côté parce que j'avais eu des propositions de solutions. Et moi, de mon côté, en fait, il fallait que je fasse le point sur comment je voulais afficher, comment je voulais afficher le formulaire, comment je voulais regrouper les opérations. Oui, comment tu voulais faire par rapport à l'existant et le reproduire. Ouais. Donc, il y avait la création des ressources à faire, on les a fait ensemble. Il y avait aussi tous les scénarios, type envoi de mail, type gestion de la synthèse, la préparation du rapport, de la trame de rapport. Tout ça, on a travaillé. En gros, peut-être si on cumule toutes les petites heures où on s'est vu et où on a travaillé, peut-être une semaine. Et puis, effectivement, il y a eu du suivi texto, puisque on a aidé Stéphanie à créer l'application, puisque s'est retrouvée un petit peu, malheureusement, seule à créer avec un gros charge de travail, puisque c'était fait pendant le Covid, si je ne dis pas de bêtises, et que l'équipe Oui, était tout à fait. réduite Tout à par fait. rapport à ce qui était prévu au départ. Donc, j'ai bien reçu la maintenance que je viens de modifier. Et pour le Elle temps qu'on vient bien de passer, pardon, tu parlais de l'application presque en globalité, hein, pas que du pattern référentiel, tu parles de on va dire des ressources, parce que je ne dis pas de bêtises, il y a une dizaine de ressources différentes en fonction des maintenances que tu as, donc une dizaine de formulaires différents, et le pattern référentiel, et la génération des PDF, et les relances. C'est pour l'intégralité, pas que pour la recopie. Oui. Voilà, je veux juste repréciser. Oui, tout à fait. Oui. Donc, à partir du moment où je passe la maintenance en statut à valider, le responsable de la maintenance reçoit le mail. Il va sur le lien et ici, on voit qu'il y a un formulaire qui vient de se créer qui s'appelle synthèse. Ça regroupe les opérations qui n'ont pas le résultat conforme à celui qu'on attendait. On veut dire tous ceux qui étaient non OK. Alors, not OK ou qui n'ont pas été réalisés. Je n'ai pas fait d'exemple de oui, non réalisé. Mais voilà, tout à fait. Et donc, à partir du moment où j'ai une opération qui n'est pas conforme, elle apparaît ici. En tant que valideur, je regarde ce qu'a écrit le technicien, au cas où je peux voir ses photos, et je décide soit, alors pareil, hop là, soit de valider la décision du technicien, soit de mettre en place une action corrective. Oui, d'accord, en fonction de ce que tu as contrôlé. Voilà. Je valide sa décision. Et ici, j'ai encore la possibilité de mettre un nouveau commentaire. Ou pas. Et donc, j'enregistre mes décisions. Et je reviens. Si jamais, donc, normalement, la liste est un petit peu plus importante, hein, des opérations qui ne sont pas réalisées ou qui n'ont pas de résultat conforme. Elles ont toutes une justification. Et donc, j'ai terminé ma validation. Je mets le statut terminé sur le formulaire de base le formulaire de la maintenance globale. De la maintenance globale. Et là, une fois que c'est terminé, j'enregistre et le rapport va se créer. Donc, c'est un rapport PDF, hein, automatique qui reprend l'ensemble des opérations. Tout à fait. Je viens de voir. Donc là, ça va travailler un petit peu. En tant que responsable, j'ai validé la maintenance. Je l'ai même terminée. Le rapport va se créer. Je vais recevoir un mail avec le rapport PDF attaché au mail que je peux revérifier encore une fois. Et je peux aussi l'envoyer directement à mon client. Je vais vous montrer un exemple de rapport le temps que le deuxième se fasse, comme ça on pourra revenir après pour voir l'avancement.
Donc, un rapport sur une maintenance qui est terminée ici. Ça met un petit peu de temps sur le. Alors après, ce qui serait bien aussi, j'ai pas encore eu la question, je l'attendais, c'est on pourrait peut-être montrer un scénario, par exemple, d'envoi d'email, de rappel ou autre, Oui. ça peut permettre un peu de comprendre, puisque donc tout ce qu'on voit là est créé en no-code avec ce qu'on appelle donc des ressources, des scénarios et des tableaux de bord. Et donc les ressources, c'est uniquement via des cliquets glissés et du paramétrage. Et les scénarios, c'est donc une logique avec un déclencheur et des actions. On pourra peut-être vous montrer juste un scénario avec l'envoi de mail pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble après, si tu veux bien, Stéphanie. Parce que là, en fait. Tu peux ouvrir scénario en même temps si tu veux. Voilà. Ah, je crois qu'on a perdu Stéphanie. Tu es toujours là? Ah, on vient de perdre Stéphanie. Je pense que la liaison a été coupée. Donc, je vais reprendre la main. Et je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions en tant que Stéphanie puisse nous rejoindre à nouveau. Ce sont les aléas du direct. Donc, je vais vous partager à mon tour mon écran. Voilà, vous devez voir normalement mon écran. Je bascule. Stéphanie, quand tu es là, tu pourras me faire de nouveaux signes. Donc ici, justement, voilà les tableaux de bord où on voit la liste des maintenances en cours ici et on voit des points en fonction justement des fermes qui sont là, qui sont de l'avancée, voilà, ferme Vernier Caraïbes à l'intérieur. Et on a des tableaux de bord pour la liste des maintenances en cours, la liste des maintenances à valider. Donc ça, c'est un tableau de bord particulier. Et après, Stéphanie a créé des tableaux de bord par lieu, par zone géographique. Donc, par exemple, si c'est VPAC, je crois que c'est Pacifique, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ouais, il y en a une à Besançon aussi, enfin Besançon, pardon, à Vernier-Orme. On va avoir une vue globale de la map sur l'ensemble du territoire dans le Pacifique. Je vais pouvoir vous montrer peut-être donc un scénario d'envoi, attendant que Stéphanie puisse nous rejoindre de nouveau. Le scénario dans Flexio, qui permet d'automatiser l'envoi des mails ou la création automatique des scénarios ou même la génération du PDF. Par exemple, ici, on reprend l'envoi de mail au valideur qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ici, on voit ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, c'est dès qu'on crée une maintenance préventive, du moment qu'elle est donc à valider, automatiquement, j'envoie un email à la personne justement au valideur et en copie au technicien qui l'a réalisé. Et toujours une copie donc à phoenix@vernier.com, Phoenix qui est le projet donc Flexio chez Vernier. Ensuite, on voit qu'ici on a un objet du mail avec ce qu'on appelle chez nous des ingrédients. C'est-à-dire quelque part, ce sont donc le numéro de maintenance et le suivi de la maintenance en cours. Et ici, on voit que c'est formaté pour avoir toujours un contexte donné sur l'opération actuelle. Donc on trouve le numéro de la maintenance, l'URL qu'on a vu tout à l'heure pour la retrouver facilement, qui l'a rédigé à l'intérieur. Donc voilà un exemple de scénario. Est-ce que, dans une question de Christophe, en téléchargeant une ressource en CSV, on peut coupler un outil de type Power BI? Oui, tout à fait. Donc on peut créer non seulement donc des tableaux de bord dans Flexio, mais ce n'est pas un outil de BI prédictive où on peut directement glisser les éléments les uns par rapport aux autres. C'est vraiment des tableaux de bord faits pour être affichés et suivis. Donc on pourrait imaginer effectivement un export automatique en fichier CSV ou vers une base de données qui peut ensuite être exploité par un outil type Power BI. Ah bah Stéphanie est revenue. Je vais pouvoir te redonner la main, Stéphanie. Tu vas pouvoir activer ton micro. Voilà, super. C'est Maintenant, on bon, parce t'entend. que maintenant on m'entend. Oui, c'est bon. Tu es revenu. Désolée, petit problème technique. Ça arrive, c'est les joies du direct. Donc, tu es en train de montrer le mail que tu devais avoir reçu. D'accord, bah, c'est ça qui a planté. Ah, Christophe nous dit même, bah, il l'a fait. Il pose une question, mais il connaissait déjà la réponse. Je l'ai fait et ça marche. Merci. On en avait parlé la dernière fois, je ne savais pas si c'était déjà en place ou pas. Donc, j'ai bien reçu en fait le mail avec le rapport en PDF. Est-ce que tu peux juste basculer en plein écran, s'il te plaît, Stéphanie, qu'on voit mieux? Oui. Donc, voilà le mail que j'ai reçu. Donc, je n'ai pas mis de conclusion, sinon ici, il y aurait le pavé avec la conclusion générale de la maintenance. Et ici, en fait, on a la synthèse des opérations qui s'est créée
avec le rappel en fait du numéro de la maintenance, le plot, la fréquence, l'année, le mois à laquelle la maintenance a été faite, avec les décisions qui ont été prises. Ça, c'est juste l'exemple que tu as Parce... créé tout à l'heure. Oui, donc c'est un exemple assez Voilà. court, mais je pense que dans une faute de Voilà. réel que tu as peut-être pas envie de montrer, il peut y avoir des dizaines de pages, quoi. Je peux montrer un plus grand. Oui, effectivement, celui-ci est petit. Si Après, je c'est. montre. Oui, après, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est. Si tu as le droit d'en montrer. Oui, je vais pas, on ne va pas rester très longtemps sur le PDF. Alors, l'avantage, c'est que non seulement le PDF a été envoyé par mail en pièce jointe pour qu'il puisse être transférable rapidement au client, mais en plus, le PDF a été attaché ici, Oui, il est en bas attaché de... directement à l'enregistrement, donc à la maintenance correspondante. Voilà. Souvent, le réflexe qu'on a avant d'avoir une application telle que Flexio de maintenance, c'est de tout envoyer par mail de stocker, on va dire, ailleurs que dans l'application. Mais en fait, l'application est faite pour ça. Donc, Voilà. quitte à faire comme ils ont les droits sur l'application, autant tout stocker dans l'application, y compris le rapport PDF généré à l'instant T. Tout à fait. Donc Et là, donc en là, en fait, on anglais a... en plus. Voilà, ça, c'était corrigé. Voilà, où on a là la reprise de tous les. Voilà, on voit qu'on a 12 pages de Voilà. rapport Et avec donc l'ensemble là, des opérations. voilà, on voit les photos, par exemple. Et on peut même Les cliquer, si je n'ai pas de photos. bêtises, sur les vidéos. Je pense que tu as mis un lien pour les voir en plein écran si besoin. Effectivement, on voit quelque chose qui a une usure un petit peu Et alors là, peut-être prématurée. c'est... Donc, Ok, super. le PDF fonctionne parfaitement. Et donc, comme on le disait au tout début, hein, l'important, c'est de centraliser les informations et qu'elles soient exploitables à tout moment par les personnes qui en ont besoin. Ici, De en bien fait, on est lire passé... la bonne information à la bonne personne au bon moment. Voilà, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est que... On est passé par l'application maintenance préventive, mais cette maintenance préventive a été attachée à l'équipement aussi, et donc à la ferme, sans qu'on ait rien à y faire. Oui, c'est automatique. Ce Alors, on est que je... bientôt déjà à la fin de l'heure, ça s'est passé Ok, vite. ouf. Oui, ça va souvent très vite. Je pense que la démonstration est assez complète, à moins que tu voulais montrer quelque chose de particulier. Non, je voulais juste terminer sur les tableaux de bord que l'on peut faire et qui sont vraiment adaptatifs. Et donc, ici, en fait, on peut voir les zones dont je m'occupe virtuellement pour la démonstration. Et on peut aller directement sur les fermes, avoir les informations. Et je peux aussi avoir toutes les tâches qui arrivent automatiquement. Par exemple, quand j'ai des maintenances à valider, elles arrivent aussi ici directement. Donc, par exemple, ici, on a les informations sur la ferme sur laquelle j'ai cliqué. On peut aller sur l'équipement et sur l'équipement, on aura la maintenance qui apparaîtra aussi. Là, j'ai pris une ferme, évidemment, sur laquelle je n'ai pas encore fait de maintenance digitale, mais normalement, il devrait y Il y en avoir a. un onglet qui s'affichera. Ok. Alors, on va essayer de passer aux questions-réponses pour essayer de ne pas déborder beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez revoir ou que vous voulez que Stéphanie ou moi puisse vous détailler? Je vous laisse écrire dans le chat à droite. Donc via le bouton conversation en haut. Je sais qu'il y a des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Vous avez bien fait. Mais il y a peut-être des choses que vous voudriez revoir ou comprendre suite à la démonstration de Stéphanie. Bah écoute, j'ai l'impression que tu as été très claire, Stéphanie, puisque les questions ont été posées au fur et à mesure. Et je pense que tout a été compris. En tout cas, que la démonstration a suffi à comprendre comment ça marche. C'est tout bon pour nous. Merci. Merci. De faire un peu de retour. On te dit bravo Stéphanie pour ta démonstration, parce que c'est un exercice live qui n'est Merci. pas toujours évident, et c'est vrai que tu en es C'est très vrai. très bien sorti. Merci. J'espère que ça vous donnera envie d'utiliser encore plus Flexio. C'est gentil. Julie me demande, est-ce que tu sais combien on vous avez d'enregistrements par mois? Est-ce que tu as une idée, toi? Combien j'ai d'enregistrements par mois, tout formulaire confondu? Oui, parce que
Je devrais le voir. Je suis en train de regarder en même temps, si tu veux. Ouais. Parce que Ok. j'ai mon compteur, en fait. C'est ce que j'allais montrer, en fait, le compteur. Voilà. Ici, en fait, j'ai un compteur qui est automatique. Hein, c'est Flexio qui le gère avec toute mon activité. Est-ce que ça répond à la question ou pas? Donc là, je vois que tu as 67 000 enregistrements pour juillet. Ouais. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de tests faits en juillet, si je ne dis pas de bêtises, Oui, pour pouvoir j'ai montrer fait. les éléments et les générations. Oui, tout à fait. En fait, c'était pour la mise en place. On a fait quand même beaucoup de tests et puis on a amélioré certains scénarios. Donc, on a refait, refait, refait. Donc, effectivement, ça fait beaucoup d'enregistrements. Mais on est largement en dessous de ce qui est autorisé par le contrat que l'on a avec Flexio. Non, mais là, on savait qu'on allait avoir un gros, grosse pause en juillet Des parce qu'on gros a fait beaucoup pics. de tests, ouais, des gros pics. En fait, on voit qu'à chaque fois que je lance en fait une nouvelle application, il y a beaucoup de pics. Parce que les lancements, c'est beaucoup, beaucoup de tests de refaire, refaire, refaire. Et donc, voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup de merci Merci à vous. de Laurine, Stéphanie, Jean-François, Julie. Merci à vous d'avoir suivi cette formation. On va devoir conclure, puisqu'on ça y est, on a dépassé midi. Et ben merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation, pour ton temps. De rien, c'était un plaisir. Et puis ben merci à tous ceux qui l'ont suivi. Et pour information, on aura d'autres webinaires qui vont s'enchaîner à la rentrée. On vous enverra donc les liens des prochains. Vous aussi vous inscrire. Et si vous avez donc des questions. Plus précise, vous pouvez directement me contacter, soit bah, pour ceux qui ont mes coordonnées dans l'invitation, raphaël@flexio.fr ou directement aussi sur LinkedIn via mon profil en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et peut-être de vous apporter des compléments d'information ou d'avoir des explications un peu plus précises sur ce qui est faisable avec Flexio ou comment Stéphanie a pu réaliser cette application, sachant que je ne connais pas tout, puisque Stéphanie est en partie autonome, grande partie autonome. Donc elle a fait des choses que toute seule, sans que je sache comment elle l'a fait suite à la formation. Merci beaucoup, bravo, bon boulot. Merci. Merci Xavier. Bonne soirée, enfin bonne Salut. journée. Bonne soirée déjà, Ah, ça bonne dépend soirée où si tu tu veux. es. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.